Ok. Allons voir vite fait qui a sorti des stages. Hey, tonton! Les cabas, ils sont trop lourds! Conveyor Catastrophe by Space Pig Revolve, un stage à 4. Salt Lake, The Dog Crow Snowboro. 0,18% One Checkpoint. All Thumps are full speed. Bully Conveyor à Sky Zoblox. On sait comment le débloquer, Kurtz, mais on n'y arrive pas. Enfin, on a essayé qu'une fois. Oh, non. Quel bâtard. C'est bien ça qu'il faut faire. Ah, faut le lancer puis faire le truc. C'est marrant. Waouh. Ça, c'est dur en vrai. C'est dur, mais c'est bien fait. De toute façon, on va pas faire ça, on va faire les viewer level. Ah, là, le niveau, il est là. Hein. Le niveau, il est totalement là. Que t'as pu corriger le problème de contrôleur du 8-bit do. Alors justement la 8-bit do, je l'ai ouverte en effet. En effet, j'ai ouvert la 8-bit do. Donc c'est pas très dur, il suffit d'avoir des tournevis de précision. J'ai ouvert la 8-bit do, donc il y a quand même pas mal de vis. Ici, il y a des vis à enlever, puis il y a des vis à enlever à l'intérieur. Et après, j'ai rajouté donc des petits œillets qu'on mettait sur les classeurs, sur les contacts, pour qu'en gros, les diagonales soient moins sensibles. Alors, ça a l'air de marcher. Je vais peut-être les redéplacer et les serrer un peu plus pour la diagonale bas droite que j'ai testée, qui est encore un peu sensible. Mais bon, on va faire des viewer level, et on va voir comment ça se passe. Donc, Nopantrol était le suivant sur la liste. V9608C. Ainsi que 6KF. Allez, c'est parti. Don't smash your controller. Be patient, troll. Ok. One. Suivant. Par Quaddles. XXP. 9T1. 6GF. Ah, il y a des règles à respecter. Hein. Pas de troll level, pas d'énigmes. Bowser Bizarre Castle, on l'a déjà fait, bravo. Prochain niveau par Drionir. G9H. C2X. Ah non, mais on fait. Non, on fait même les niveaux des absents. 1FF. On finit la liste, quoi. Enfin, on essaye. Inertie 0 sur 49. Ah. Salut sapin. Et là c'est une Dev Way et on termine le level. Quel enfer ça. Bon, ça a l'air d'être une belle saloperie hein. Ouais, non, mais le saut, il passe pas, en fait. Hein. Ah bah si. Oh! Quel génie! Et pas de Z. Il y avait une flèche, mais pas de Z. Quelle brasse. Jusque-là, le niveau est pas mal. Hein. Il fait le taf. Ça, par contre, c'est un peu de la merde. Hein, parce qu'on va pas se le cacher, ce piège, c'est un peu nul.
T'es sérieux là? D'où j'ai pas la speed pour aller chercher? C'est bizarre. De ça passe, ça c'est de la merde, real quick. Bah je sais pas, y a pas de, y a pas de, je sais pas. Oula, qui est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que cette bite? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ah. On rigole bien là. Hein. Oh attention là. Ah. Ça va. GG. Un niveau ok. Le premier passage était sympa quand même. Hein. Il y avait du délire. Le deuxième passage un peu moins bien, mais c'est ok. Hein. Franchement, on a eu des merdes hier. On a eu des petites merdes hier, c'était moins bien que ça. Hein. Salut, Autumn. I tried something different here, it's more traditional, but also harder. 1-3, adresse. Eh ben, c'est parti. Titi-tou-tou-tou. On peut leur rebondir dessus, hein. Oui. Doudi-doudi-doudi, c'est Trunks, c'est ton niveau, en effet. Ah! Ah, je l'ai pris! Ah, je l'ai pris! S'il y en a qu'un, je l'ai pris, il est là, hein. Il est totalement là. Il est totalement présent. Non, mais il est là, hein. Doudoudi doudoudi. Oh. Oh, ça a pas l'air mal, ça. Ah. Mais quel bonobo, putain. Je suis mort comme un bonob. Ah, c'est dur par contre. Hein? Vivement le Endless Super Expert. Pas ce soir. Ce soir, j'aimerais bien voir Harry Potter 6 avant de partir demain. Je me rappelle plus ce qu'il vaut. Le 5... Oh, le 5 en film, il est pas bien. Hein. Oh là là. Comment il est pas bien. Le 5 en film, il est si pas bien. Mais j'appuie. Il faut garder le casque. Aïe. Le 5, c'est le pire. En film, ouais, je pense. Hein. Tra, en film, il est pas bien. Hein. Le 2, c'est le plus... Oh, en vrai, le 2 est incroyable. Le 2 et le 4 sont vraiment incroyables.
Champignon plutôt. Mais il y avait un champi. J'ai pas vu le champi. Le pire, c'est le 4. Ah non. Ça va pas, non. 4, il est trop bien aussi. Moins bien que le 2, mais il est trop bien. Bah, génial. Mais j'ai pas vu de champignon, moi. Juste au-dessus du checkpoint, ah merde. Le 3 est vraiment ouf aussi. Allô? Bah super. Oh, ça, c'est pas bien, ça. Hein. Quoi sert cette porte si dans tous les cas tu meurs? Soit en livre ou en film, t'as jamais accroché au 3, je sais pas pourquoi. Ah ouais, je sais pas, moi le 3, j'aime bien. Mais connard! Mais arrête d'aller sur la pince! Je suis baisé, je pense. Mais non! Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain! Pas de sel, on avait dit pas de sel. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a voulu faire quelque chose. Il a écrit trying something different. Bon. Pas toujours réussir tous ces niveaux. Hein. Mais vas-y, vas-y, pars. Mais putain, mais qu'est-ce que... Allez. Mais j'ai tapé! J'ai tapé! Pas de sel ce soir. Mais non, mais oui, mais... J'ai pas encore dit que le niveau c'était de la merde. Donc quelque part il va de sel. Vous savez ce qui se passe là? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a une carapace là, du coup ça peut pas repartir en haut. C'est cool hein. Ta mère! Allez. Mais en fait, c'est de la chatte.
C'est... Bah non, mais enfin, je comprends pas en fait. Trunks, explique-nous ce qu'on doit faire, quoi. Mais une flèche, mais un truc, c'est pas clair là. Reste sur la pince et saute. Tu veux que je saute sur la carapace là? Ça va mal se passer ça. C'est... Ouais bah oui, mais... Mais oui, mais genre... On apprend pas au singe à faire la grimace, hein. Mais non, mais le monsieur, je l'écoute pas parce que c'est de la bite, cette façon de passer. Oh non, tu pouvais y aller là, Mario. Non, il y était! À la pince de cul, là! Oh. Mais je suis mort! Mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais putain, mais pourquoi c'est nul? Non, j'avais dit pas de sel. Merci, Kezoqua, pour les 6 mois de Twitch Prime. Mais non, mais... Oh, c'est pas bien en vrai. Hein. C'est marrant parce que le début était bien, mais là. Et la porte. Mais la porte! Mais la porte, je la foutre au cul, putain! Ça reset pas le. Ça reset pas le champignon! Je l'ai fait il y a genre 2 minutes. Putain, mais vos infos de chat de cul là. Mais oui, mais voilà, mais dans tous les cas. Mais Harry Potter 6. Vous voulez pas que je joue à un film, c'est ça? Oh non, bah c'est bugué, bah oui, aïe 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 aïe. Le truc, c'est que quand il y a un vrai timing dans vos niveaux, indiquez-le, quoi. Oh. Full luck, hein. Ah, mais attends, mais il y avait moyen de... Non. Là, le problème, c'est que genre, ça manque d'indication, quoi. Je ne mettrai rien. C'est cool pour la première partie, pas cool pour la deuxième. Du coup, ça se cancel.
Mais la première partie, cool, normal, bon stage. C'est la suite, elle est salée, quoi. Cookie Canyon 1-2. Si le shell permet de casser les blocs, il n'y a pas besoin d'être grand, mais ça permet pas... Le Cookie Canyon. Oh, il est jaune, le Cookie Canyon. Ah, ça doit donner des bombes, ça, non? Ouais, non, attends. Avant de te softlock... Merde, comment on faisait déjà? Merde, ça l'a pas tué. Non! La... Ah bah oui. Tellement bonne cette musique. Ok. Bonne nuit Lianas, des bisous. Je vais essayer de bien me remettre. Hein. Zuit. Zuit. Un classique ce niveau, ça passe. Large. ...6, 8, 8... ...374... C'est presque que des chiffres. 88G. Oula. Mais oui, mais ça, c'est pas... Quand on dit viewer level, les gars... Enfin bon. Le fameux viewer japonais. Hein. Très bien. C'est quoi, faut faire un machin de jump là? C'est pas un peu dur ça? Le spring jump, il a l'air relou. Hein. Oh, faut que je P switch jump derrière. Ouais, non, ok, vas-y. Ça... Ouais, en gros, faut faire un spring, un P switch et un pot mid-air d'affilée. Regardez le titre, il y a écrit les premiers caractères, ça va vouloir dire spring, après c'est P-switch, après c'est Po. Ouais, pour de l'entraînement, mais je préférerais un niveau d'entraînement qu'un niveau avec des trous. Au moins, je l'ai dans ma timeline maintenant. Dans ma timeline de niveau joué, j'ai le niveau où je peux m'entraîner à faire des mid-air. Ce que j'ai envie de le faire, pas du tout. Faudra en trouver un, en fait, qui t'entraîne de base, quoi. Niveau chiant. Un niveau chiant. Mais les gars, putain, mais en fait, tout ce que vous voulez, c'est aller voir les gens leur mettre des coups dans les couilles.
Tout ce que vous voulez, en fait, c'est aller voir les streamers et leur mettre des coups dans les testicules. Dans les parties. Et ça, c'est con. Après, pour l'instant, il est pas horrible. Hein. Ouais, j'ai ouvert ma gueule trop tôt. Ça, c'est carton jaune, hein, attention. Carton jaune quand on n'a pas le temps de réagir. Pas le temps de réagir égale carton jaune. Ah, c'est... non, pas carton jaune parce qu'en fait on le voyait. Fallait deviner que c'était cette porte là. Ah oui, merde. Oui. Viens, viens, viens. Dirait Roscoe. Mariosco. Qui rigole là en fait? Mais genre c'est pas drôle putain, c'est de la merde. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça quoi? Désolé mais là c'est de la merde quoi. Il n'a pas dit un niveau drôle. Ah, il a dit un niveau chiant. Ben. C'est bien, un niveau où faut bourrer, c'est vraiment trop stylé, quoi. T'as trouvé Curse Donjon 2, ouais, ouais, il faut... Dans une trappe. On sait. On sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire autre chose après quand tu le trouves, OST? Bah un niveau chiant, je me doute qu'il n'y a pas de CP quoi. Ça me paraît logique. Juste avoir deux clés. Ah oui quand même. Juste. Faut juste avoir deux clés quoi. En vrai je suis pas sûr que tout à l'heure on avait tout le temps les deux clés. Hein. Le pire, c'est que là, tu peux pas ne pas perdre la vitesse, quoi. Il y a moyen de savoir ton ratio de buff-like sur un niveau. En tant que designer du level, t'as le droit de savoir ça. Il y a une stat quelque part. Ou c'est caché. J'ai jamais cherché. Mais ça apparaît pas de manière obvious, donc... de compter. Non. Seulement les likes, on voit pas les buffs. Ah voilà. C'est quoi le bail? Quoi?
Ça passe pas, ça, en fait. Bah oui. En vrai, c'est un super niveau. Hein. C'est vraiment un super niveau. Hein. Surtout ce passage, c'est un peu mon passage préféré, en vrai, je vais pas vous mentir. J'appuie sur A en rebondissant dans tous les sens, c'est vraiment... C'est ce à quoi je m'attendais en achetant Mario Maker. Quoi. Ah bah, je suis mort, là. Oh, ça va, c'est large. Si large. Putain, mais j'en étais tellement sûr! Mais y'a jamais un checkpoint après ça. Je le sais qu'il n'y a pas de checkpoint. Le problème, c'est que ça aurait été plus drôle. Enfin, en vrai. T'as moyen de faire un stage chiant comme ça, mais faisable dans le sens où, genre, ça aurait été pas plus... Ça aurait été plus drôle de pouvoir repartir et de devoir refaire vraiment le truc, tu vois. Tu vois, de devoir te retaper le chemin avec le P-Switch et tout. C'est plus drôle que de devoir laisser le mec se suicider, en fait. Enfin, techniquement, tu rages encore plus de mourir en réessayant le piège parce que t'as dû... voilà, là, c'est juste softlock, tu te suicides. C'est plus drôle de redonner la possibilité au mec de tester et de mourir en disant « Putain, j'étais passé, j'ai dû le refaire, j'ai pas passé. Enfin, » c'est-à-dire que même dans le troll, vous êtes des sacs à merde, en fait. Même dans le troll, vous êtes nul à chier, quoi. Ça va, ça va, ça va. Ça va, c'était pas dit méchamment. Ah. Ah, on peut passer comme ça. Ah, ce qui est marrant, c'est que le niveau s'appelle un niveau chiant. L'américain ou le japonais qui tombe là-dessus, il est en mode mec. Randate. Ah. C'est ma faute. Je me suis trop précipité. Oui. Bon, encore quelques essais. J'aimerais au moins atteindre la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Si c'est une mort instant, on se tire. Pas besoin de se faire chier avec ça. Ouais, bah ouais, mais non, en fait. Gros... Ah mais... Yes. Oh là là. Ah merde. Oh, il est bon celui-là.
suis obligé. Bah ouais, mais là... Harcèlement ou intimidation, quoi. Insulte. Ah. On va en mettre un aussi. Faut que je refasse un ou deux tries pour me mettre dans le mood. Faut que je me mette dans le mood du commentaire. Gros FDP 0 sur 20. J'attendais trop de ce genre... J'imagine trop le même délire à l'école. Tu sais, en mode le prof de maths qui met des commentaires comme ça quand t'as 0 sur 20 aussi. Gros FDP 0 sur 20, c'est sur ta copie de maths. Est-ce que ce serait pas drôle ça en vrai? Bah non. Mario court, bon Dieu! Ah bah c'est baisé. Mario il a couru mais pas assez. Ah par contre là je peux revenir. Putain, on l'avait. Zéro sur 20, gros FDP. Ah merde. Je ne doute pas que c'était la fin du niveau. Hein. J'en suis même convaincu. A mon avis, le niveau est simple, c'est juste que l'autre, il a passé 500 tries dessus. Et du coup, il a mis au gros FDP 0 sur 20. Alors qu'en fait, c'est lui qui est nul. Enfin, je veux dire, si vous n'arrivez pas à one-shot ce niveau, enfin, ou à tout du moins à le faire en moins de 20 tries, c'est juste que vous puez la merde, en fait. Y'a rien de compliqué. Ah! Regardez ça, en plus quand vous êtes mort, vous êtes pas mort. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus, quoi. Ah! Mais ça avait pas fait ça tout à l'heure, ça avait remis les blocs. Je sais pas comment vous expliquer, je m'y suis fait à ce niveau. Le commentaire a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que c'est le mec qui avait écrit le commentaire finalement qui était mauvais. Oh! Quelle grosse merde! Ah, nul 0 sur 20 quoi. Ah, les timings sont un peu serrés. Hein. Bien fichu le stage. C'est toi qui l'as fait, non? Dommage, les wall jump inversés. Du coup, faut commencer par quel mur? Celui de droite? Non, celui de gauche?
Faut que je fasse comment? Oh, mais il y a un checkpoint. Mais on va devoir le finir. Mais il y a un checkpoint. Ça, c'est de la merde, par contre. Hein. Ouais, un niveau chiant, quoi. Ouais, ouais. Non, mais je vois bien, ouais. Ouais. Bah. Ça passe en bas, là? Non. Si. Tu as déjà joué à des niveaux de panga? Des pangas? Non. Pas encore. Le seul truc nul, c'est le passage on-off du début. Non, il n'y a pas que ça de nul. Hein. Cet écran est bien nul aussi. Hein. Si jamais... Ben non. Vas-y, on teste. Je crois pas trop là au passage, mais... Ouais, mais là, c'est zéro là. Vous savez pourquoi je le tryhard? Parce que si je le réussis, je sais qu'Otum va aller chercher le world record. Alors que c'est un bon gros niveau de merde. Du coup, ça me fait plaisir. Non mais il y a un bait là, c'est sûr. Ah oui. Oh, je l'avais! D'ailleurs, c'est sûrement comme ça qu'il faut passer, parce que je pense que entre les pics, tu passes pas. Hein. Non, le commentaire, il est venu sur le... Le commentaire, il est venu sur le tableau 1, c'est sûr et certain. Le commentaire, c'est pré-CP.
J'avais oublié, je pensais que j'avais plus de place pour ça. Non mais qu'est-ce que je fais? Mais ta mère! L'idée, je pense que tu fais point d'exclamation current et tu l'as. Que ça manque d'un petit Kaizo bloc là sur cet écran là. Petit Kaizo bien placé là. Ça, j'ai eu peur. Oh, mais là, c'est chiant, là. Elle a été honnête dans le titre, hein. Là c'est bien relou là. En fait là c'est relou parce que c'est long quoi. Tous ces sauts là les uns après les autres ce serait chiant mais faisable. Là c'est juste long quoi. Never give up, ouais bah je sais plus. On va parler d'une clé. Finalement, je l'ai jamais reçue. Mais le jeu a l'air bien, ouais. Never Give Up, ça avait l'air sympa. Oh, vas-y. Sans déconner, les hitbox de ces pics, c'est vraiment de la bite. Pas que je me presse. Plus tu te presses, plus t'as de chances de mourir. C'est sûr qu'il y a un deuxième CP, hein. Putain, je me respecte pas. Thank you.
C'est chiant, c'est long, c'est nul. Ah, ce snake de l'infini. D'ailleurs, il n'y a pas un moyen que ça passe mieux. Non, en vrai, ça faut le passer comme ça. Hein. Tu peux pas le passer autrement. C'est juste que c'est trop chiant, quoi. Oh putain, je suis en sueur, là. Genre, le saut le plus chiant du snake, évidemment, il est à la fin, quoi. Il est à la fin et il est vraiment chiant, quoi. Déjà, trop de niveau. Non, c'est juste qu'on termine la liste d'hier, là. On ne rajoute pas de niveau. Sinon, la liste est jamais terminée. Te mettre sur le premier bloc avant qu'il monte. Ouais, mais comme s'il y a qu'un espace d'un seul bloc, je passerai pas, en fait. Si tu vois, la hitbox de ces pics-là, elle dépasse, en fait. Et se mettre exactement entre les deux, c'est impossible. Non, mais pourquoi j'ai appuyé sur droite, hein, je sais pas pourquoi. J'étais bien, hein. Non, le passer sans sauter, c'est trop dur. Je vous jure que c'est trop dur. Tu peux, mais c'est trop dur, en fait. C'est le nez de Mario qui frotte. Quoi, le bail là déjà? Oui. Ah oui. Là, il y a une baise, non? Il va se passer quoi quand il va balancer un coup de peau, lui? J'imagine que je meurs si... Ah non. Il peut pas sauter, lui? Ta mère. Chez! Chez le niveau! Comme quoi était faisable, hein. Vraiment, vraiment un excellent niveau, hein. Alors. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la note de 0 sur 20. Point. J'ai... Je suis allé au bout. Merde, c'est où les accents?
1 sur 20. Selon le contenu du texte, inapproprié au plus de 4 caractères numériques. Fnac. C'était bien de la grosse merde. Hein. Tu veux savoir ce que fait Kurtz ou pas? Ouais, je veux bien. X6S. 60C. RBG. Zip, putain, merde. Qui c'est qui l'a donné le niveau? Par Slash Huigueillon, et c'est un américain qui s'appelle Tyler the Pig. J'ai pas regardé The Boys. Il est assis contre la table et brasse comme jamais. Il est censé vendre des trucs. Ah. Bah normalement il est censé vendre des trucs. C'est marrant parce que à chaque fois que les gens décident de faire un niveau vraiment nul à chier, ils prennent New Super Mario Bros. Wii. Et ils prennent cette ambiance donjon lave nul à chier là. Merci beaucoup The Caillou. Simer pour le sub tier 3. Gros bisous et coucou de YouTube, petit coup de cœur pour Undermine, fini trop vite, courage à toi. On est avec toi. Merci beaucoup The Caillou. Tellement l'impression d'avoir vu ces niveaux chez Orateur et Northern Lion. Ah bah c'est les. Oui. Des merdes comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Mais c'est de la merde, mais c'est tellement de la merde. Oh. On sent le... Hein, on sent le brainstorming à plusieurs. Hein. Mais tue-moi, je sais que je suis mort. Vas-y, c'est bon. On a fini le niveau chiant. Ouais. Quel est l'intérêt de ce piège? Pourquoi la vie? Oh, c'est quand même le niveau 0 du piège, ça. Hein. À droite là? Non mais là je le teste vite fait, mais dans 3 morts on le skip celui-là. Hein. Merci beaucoup Père Caster pour le raid. Bisous. Le host. Parce qu'en fait, qu'on me propose un niveau qui est pas un niveau de viewer, j'ai envie de te dire, bon, c'est complètement con. Mais, on sait jamais, tu vois, ça peut être un niveau trop cool que quelqu'un a vu. J'ai envie de dire, tant qu'on... Voilà. Qui a vu verra.
Donc pourquoi pas, tu vois, on le tente le niveau. Le problème c'est que si en plus, c'est pas votre niveau, mais en plus de ça, c'est un niveau de merde, parce que tout ce que vous voulez c'est voir un mec rager, parce que votre vie c'est de regarder Sardoche, bah voilà. Là oui, on peut skip quoi. Il en faut combien des carapaces pour tuer un Bowser comme ça? Ah, parce qu'il peut venir me faire chier en plus. Sur Wii U, c'était 30. Et là, c'est combien? C'est 8 ou 15? C'est déjà beaucoup, hein. Bravo, ça. J'ai voulu rebondir, aller choper le truc. Pourquoi skip? Il est trop bien ce niveau. Vas-y, on compte. Celle-là, je suis pas sûr qu'elle ait touché. Le problème, c'est que c'est un grand Bowser. Tu veux pas... Qu'est-ce qu'il a fait, là? Non, mais à mon avis, il faut le tuer. À mon avis, il lui donne une clé. Si vous voulez, on peut faire un try où on va derrière lui, mais vous allez voir. Voilà. Ça, c'était sûr. L'autre niveau, j'ai tilté qu'on pouvait passer parce qu'il y avait le pont. What? Comment j'ai fait ça? Mais... Il a pas voulu wall jump?
C'est moi, il va me sauter dessus là. C'est pratique ça. J'en ai mis combien là? Ah putain. Essayez de les compter pour moi. Ce serait sympathique. Une. Deux. Alors comptez-les pour moi, parce que si je me concentre pas, je peux pas aller loin. Mais en fait, tant que j'ai le casque, je suis immunisé à pas mal de choses. Ah, genre les boules de feu, comme ça. Faut qu'elle touche, hein, donc faut vous voyez la carapace tomber après un ricochet. Genre celle-là, je sais pas si elle va toucher. Hein. Non! Oh. Nice. Comme quoi c'est faisable. La réponse est 11, pas plutôt 10. Bof. Ah, je joue mieux qu'hier quand même. Hein. Allez, au suivant. Ah merde. Otoon a battu le record du monde pour un niveau chiant. On va aller voir si de fait le stage avait été fait par orateur. Pas fini en tout cas. Les gens qui ont terminé ont mis un cool, mais pourquoi? Q0G. Le Q en 0 grave. Hop. Il ne faut pas trop prendre son temps, il y a de la lave. La descente. J'essaie d'aller voir combien il reste de niveau dans la queue. Ça, vous pouvez le voir, je pense. Alors. On est sur quel niveau, là? Bon, il en reste une dizaine, quoi. 13. Je suis pas sûr de ce chiffre. J'ai soif. Merde, il m'a sorti un spin là. Oula, je pense comprendre ce qu'il faut faire. J'ai chaud. Thank you.
Ah mais non, mais c'est parce qu'il faut remonter en fait. J'aurais dû laisser le trampoline. Ça a l'air rigolo ce stage par contre. En fait au début je pensais qu'il allait falloir prendre le trampoline pour renvoyer les tombes en l'air. Allez. Mais c'est vrai que ce soir, pour l'instant, on a eu quoi? Un niveau qui était nice and easy, tout le reste, c'était de l'enfer, hein. Enfin, de l'enfer, ou au moins de la concentration, quoi. Qu'est-ce que je branle? J'ai cru que je pouvais twirl. Du coup, j'étais en mode, vas-y, twirl. Non. En fait, au niveau des diagonales, celle-là, elle est bien réglée. C'est-à-dire que là, quand j'appuie sur O, si je bouge la croix à droite, Mario, il a vraiment du mal à y aller. Par contre, à gauche, il y va direct. Et en bas, je sais pas quel genre de test il faudrait faire, mais il faudrait que je resserre encore. Là, il faudrait encore que je resserre pour que ce soit plus dur de faire une diagonale. En haut à gauche, il faudrait que je resserre, et en bas à gauche aussi, je crois. Mais j'ai déjà save deux diagonales. Je pense que je vais rouvrir ma 8-bit do et essayer de resserrer les deux autres. Mais pour l'instant, j'en ai deux qui ont l'air parfaites. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça par contre c'est chiant, il n'a pas prévu que... Ouais, en fait ce qu'il veut c'est que la remontée soit en mode chaud bouillant. Mais là t'es obligé d'attendre dans le corner, tu te fais chier quoi. J'étais sûr. J'en étais sûr, mais j'en étais si sûr que c'était un bait. De toute façon, plus je vais vite, plus je vais devoir attendre à la fin, quoi. Ça l'est jusqu'à ce que j'en ai marre. Non, pas jusqu'à ce que j'en ai marre, mais j'aimerais bien me voir un petit film avant de m'endormir et partir demain. Je pars en week-end. Week-end famille. Le fameux week-end famille d'août. Ça, je pense qu'il faut pas que je le prenne. C'est bien trouvé quand même comme idée. Hein. J'aime beaucoup l'idée. Hein. C'est le genre de truc que j'aurais totalement pu faire pour un Galaxy 3 ou quoi. En beaucoup plus dur par contre, évidemment.
T'es sérieux, putain! Oh, je meurs sur le pire piège. C'est même pas un piège, en fait. Je suis mort tout seul, quoi. Tarantino, hein. Il a l'air long. Hein. Non, mais c'est une vérité, il n'y a pas vraiment de piège compliqué. Non mais quand un Tarantino sort, c'est comme quand un jeu Kojima sort, voilà. Comment trier l'objectivisme au susboule? C'est comme avec Macmillan, quoi. C'est vraiment un bon niveau. Hein. Franchement, c'est un bon niveau. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Next. Un KV. Y5Y. 72G. Par Soditech. Medium level with 2 CP. Good luck for world record without CP. À 8 minutes le world record sans CP. Waouh. Enfin si, avec CP, pardon. Ah, ça a l'air d'être un niveau de client, ça, encore. J'ai cru qu'on était en low gravity alors que pas du tout, quoi. Je comprends rien. Pourquoi il y a un pot là? Ah, il y a 3, ok. Non, en fait, ça va. En fait, ça va. C'est juste moi que je suis con. Faut que je réussisse à la taper en l'air, la bombe, là. Génial. Génial. Timing est fait exprès.
Hier, il y a un mec qui a fait un bon niveau. Hier, on avait vu un niveau comme ça où le mec avait fait des petites barres. C'était trop bien fait. Parce que là, du coup, en fait, faut que je fasse ça. Ah oui, mais faut que je lance le P aussi. Là, ça aurait été trois petites barres, une, deux, trois grandes barres. Et ça serait très bien passé. Hein. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Il y a le CP derrière, chien. Mais il a l'air cool. Mais rentre, rentre, enculé. Merci. Ok, c'est pas très clair, mais ouais. Au moins, il y a des indications. Ça va vite, c'est tout. Je connais pas le timing. Faudrait compter les secondes. Faudrait compter l'intervalle entre deux coups de canon. Ouais. Je savais pas trop ce que je devais faire. Mais pourquoi j'hésite en fait? Ça sent le beau commentaire. Le niveau est bien. Hein. Le niveau est très bien. Si vous pensez que j'aime pas, vous vous trompez. Hein. En fait, difficile veut pas dire nul. Celui-là, il est difficile, mais il est pas nul. Hein. Ok, on n'a pas le droit d'atterrir un peu en diagonale. Qu'est-ce qui va pas là? Je devrais avoir plus de vitesse. Ok, donc faut limite que j'attende vraiment que le coup de canon soit tiré, quoi. Ok, c'est chaud ça quand même. Ah, oh, je l'avais, putain. Attends, quoi? Ouais, si, je l'avais. Okay. Hey, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Non, mais en vrai, j'ai attendu longtemps là. Choper le premier boulet, j'ai pas l'impression. Ça, c'est chiant.
Toujours plus. Ça rend pas très dur, ça. Hein. Fallait aller à droite. Fallait pas hésiter. Tic-t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 ic. Attends, quoi? Attends, quoi? Mais lui, hein? Comment je veux pas mourir, là? Ah ouais, ouais. Hein? Putain, mais c'est ultra chaud, ça. Il faut réussir. En fait, tu lui mets un coup dans les ailes, et ensuite, tu dois les rebondir dessus. C'est dur. Faut juste rebondir encore une fois sur le Goomba, mais c'est très compliqué, quoi. Enfin, ça a l'air, en tout cas. En fait, tu fais ça. Waouh. Tu fais ça, mais faut que tu times bien ton saut pour pouvoir lui remettre un coup. Ça, c'est relou, hein. Ça, c'est les timings de saut à la mort moelle cul, hein. C'est dégueu, ça c'est dégueulasse. Coucou! Bah t'as perdu une dent, non? Tiens voir. Ils t'ont pas vu ce soir. Et bon, tu montes. Oui! Viens là. Bah, vas-y, monte. Tiens, me voir. Tu viens. Tu peux pas, t'arrives pas. Bon, est-ce qu'on irait pas regarder Harry Potter 6 là? Ouais, je suis trop malade. T'es trop malade? Mais okay. Du coup, je veux bien. Ah, tu veux bien du coup? Bon. Occupe de moi. Oula. C'est impossible. Bye. Bon, de toute façon, il est 2h. C'est pas un chocho, c'est un Eurasie. Il y a du chaud dedans. Aïe, 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 pourquoi tu me griffes? Bah, coucou. Tu check? Tu check, Roscoe? Tu check? Oh, c'est difficile, là. Hein. T'as les deux pattes sur ma jambe. Oui! Bravo! Trop fort. Ah, la manette, tu vas pas la manger, quand même. Le problème, c'est que c'est pas faisable, ça. Il aurait dû mettre une pièce pour qu'on ait la hauteur à laquelle on doit se mettre pour rebondir en dessous. Parce que là, c'est dommage, en fait.
C'est impossible. Prendre le Goomba et le lancer au troisième saut. Comment tu veux que je prenne le Goomba? Je crois pas. Goomba, il se tire. Hein. Non, je pense que ce que je fais, c'est vraiment la bonne chose. C'est juste que c'est impossible, quoi. C'est totalement impossible. Deux petits sauts et tu go à droite. Ah ouais. Ah ouais, ok. Bien vu. Vous êtes meilleur. GG à vous. Ring. Je le lance en l'air. Je pense que je le lance en l'air. Le lancer sur la gauche, c'est trop dur. Dommage, je savais pas ce qui se passait. Ouais, faut le vouloir. Hein. Quelle chiasse, hein. Il n'y a pas de compteur de mort dans ce jeu. C'est d'ailleurs assez dommage, en fait. Quand tu lances un niveau, ce serait cool d'avoir un compteur de mort. Tu l'as dans certains modes de jeu, mais pas partout. Bah ça, c'était sûr. C'est tous les niveaux de merde... Tous les passages de merde n'ont pas de parachute. T'es en retard pour ton level. Bah tout va bien sauf là. Fallait mettre un parachute. Et là, essaye de mettre une indication aussi. Parce que moi j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Sinon le reste c'est vraiment bien. Ok. C'est juste ça. Okay. Non. Elle revient. Mais sinon, il est très bien. Ah, Autumn qui a terminé le niveau, je crois. GG. 2000 try quand même. Il y a eu 2000 try. Putain, les gens se sont vénères. Très bien.
Allez, on va s'arrêter là-dessus. Il en restera du coup une dizaine qu'on fera comme ça en deuxième partie de soirée une prochaine fois. Ok. Allez. Touti-douti-touti-tout.